Attendez, je me caresse. Vous pouvez faire ça. Pardon. Vous voyez, c'est ça votre problème, wow. Kato. Oui, quand je me caresse, ça me fait ronronner. Si vous voyez qu'il débarque à toute berzingue, vous sortez vos armes et vous les braquez, soyez prêts. Vous appelez ça toute berzingue ou pas? Non, on va pas d'être à toute berzingue. Il n'y a pas de berzingue. Non, ça va. Attention les berzingues. Restez à l'affût quand même, restez à l'affût quand même. Oui. Une main sur le verre, une main sur le pont. Seigneur Saint-Anglaise. Claude, vous restez un petit peu. Soyez en immersion avec Kato. Aïe, ah, bah, salut, Claude. Wow. Attention, je vais vous aider. Restez un peu en immersion avec eux et aidez-les si jamais il y a quoi que ce soit, d'accord? Kato, bisous ou pas? Bisous. Bah oui. Prenez soin d'elle, hein. Oui, bien sûr, on s'en occupe. N'enlevez pas la cagoule. Attention à la marche, monsieur Pichon. C'est qui êtes-vous? C'est moi, c'est ce qu'on appelle une arrivée fracassante. C'est ce qu'on appelle que vous me devez 10 000 dollars. Hors de question. Vous me devez 10 000 dollars. Ok. Waouh! Tout va bien! Yeah! Tout va bien! Yeah! Tout va bien! Tout va bien! C'est bon, désolé, ça va, on te connaît, hein. Ça va et toi? Ouais. Oh, t'as une petite mine? C'est Juvamine? Ah bon? Oh, tiens dans ta gueule. Je vous dépose où, père? La Dragon Kai, je crois. Hein. Ils sont tous là-bas bourrés. Venez au moins voir votre... Non mais sérieux! À chaque fois, je fais des accidents de fou. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi à la Non, ça vous les filles. Moi je prends paix. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est dans ces moments-là que Shun me manque. Ah. Est-ce que je te la colle dessus? De toute façon, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu meurs avec moi en peine de mort. Oui, et tu meurs aussi. Je n'ai pas peur de mourir. Oui, moi j'ai peut-être peur de la mort, hein. Faut se soucier de mon avis un peu. On n'aurait pas à grandir la cuisine tout de suite, hein. Fais comme si j'avais pris ta mère. Armel aussi, hein, comme à Dragon Kai. J'ai senti la grande voix. J'ai glissé sous le vent. C'est beau. Encore. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. C'est super long. J'ai suivi un instant. On n'est pas des caissières ou des caissières, mais nous on travaille pas dans un fast-food. Oui, bah oui, mais enfin en hélico, là, vous attirez les emmerdes. Vous êtes sûr qu'ils vont réussir à partir? Oui, oui, c'est des pros. Bon, bah vous êtes... Waouh! What do I do? Oh my gosh, what do I do? Et papa Pichon, venez! C'était pas une invitation cachée pour que je vienne avec vous. Mais non, mais vous êtes complètement malade ou quoi? J'ai pas compris. Vous êtes complètement fou! Après, je l'ai dit, venez, Jean. Mais non! Mais j'ai jamais dit ça! Ah, très bien, mais écoutez, bonne soirée. Alors les clés bas, viens, je te baisse la merde. Devant toi. Allez, ça dégage. Ouais, il a gros dégâts, gros. Allez, sale chien. Mort. Je m'en occupe. Fouuuu. Ferme ta gueule, bâtard. Voilà, parle-moi mieux, fils de pute. Mais je pensais que Jean allait venir me chercher. Mais il est là, Jean. Ah, bonjour, Jean. Vous allez bien? Vous êtes chauve. D'accord, arrêtez de m'imiter, s'il vous plaît. Oui, par pitié. Par pitié. Non, mais on arrête, d'accord. D'accord, on arrête, on arrête. Bah oui, arrêtez, père, arrêtez. Non, c'est une blague, là. Oh, attendez, vous n'avez pas vu ces pecs. Vous allez voir à quel point un smoking sert beaucoup. Regardez-moi ça. Oui, regardez bien. Regardez, mais pas trop longtemps, Heidi, ok? Oui. Vous risquez de tomber amoureuse. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Impressionnant, non? Le mec à qui? Ah bon? T'es un mec gelé! Eh oui, après, il est bien. Tu dors ou quoi? Sors avec un brésilien.
Mais il le sait. Ah non, j'avais oublié. Et il fait du ou pas Oumpa Loumpa, il était dans Charlie. Vous n'êtes pas ma mère, Katou. Père, vous êtes mon père. Je vous écoute. On doit y aller. Eh bah parfait, bah super. Je viens d'entrer dans la famille, mais je vais me chercher une autre cigarette. Allez vous chercher une autre cigarette. Elle est remplie. Et voilà, elle est aigrie. Oui, et de mauvaise foi. Allez, bonne soirée à vous, Nobama. Si jamais vous voulez nous rejoindre, je vais aller vendre des fillons. Sûr. On vous rejoindra alors. Bon, à tout à l'heure. Peut-être le mien, si jamais quelqu'un vous a compris. Oui. Allez, bonne soirée. Hein. Les merdes, elle revient. J'entends ses talons. Vous êtes dans la merde. Qui va prendre la patate? C'est vous qui allez la prendre. C'est vous. Voilà. Démerdez-vous, Sacha. Alors, vous disiez. Moi, les j'ai ma clope. C'est cover. Oh putain. Ouh. Son gros cube mâché. Ah ouais, je fume. Wesh. Dans ma cam, je lui vois, il prend des balles, il bouge pas, il est là. Mais non, mais je voulais reculer, mais tu. Attendez, je me caresse. Vous pouvez faire ça. Pardon. Vous voyez, c'est ça votre problème, Katou. Oui, quand je me caresse, ça me fait ronronner. Par contre, je vais devoir vous faire une petite palpation de sécurité. Je reviens, je vais à la voiture. Je vais dégueuler. Bah arrêtez de vous caresser. Attendez. Ah oui, mais bon, j'aime bien me caresser. Bien sûr, oui, mais c'est un peu... On reste c'est un peu intime de se caresser. On reste dans un lieu public, Sacha. Benamou, tu j'ai vas... Faim. De quoi? Moi aussi, j'ai faim. J'ai quelque chose pour vous. Il a quelque chose pour vous. J'ai plus faim. Dommage, je voulais offrir un McDo pour tout le monde, mais bon. Ah, bah si, j'ai faim. Non, j'aime pas voilà, les, voilà, les voilà. Profiteuses avec sourire diabolique, là. Katou, venez. Oui, j'arrive. Tu pichons, lui aussi. Non, Jules, vous baisez l'autre, là. Vous la baisez, d'accord. Ce soir, attends, je veux pas qu'elle sorte vivante. Je veux que vous soyez en fleurs. Mais quoi, si je saute? Non mais c'était pour la science. Vous avez péri. Parce que j'ai bien l'impression que votre fils a été assez menaçant. Il est en train de m'appeler. Que faire de votre fils? Tuez-le. Ah, j'ai bien pris en considération votre offre. Ah, vous allez vraiment le faire? Oui, je vais le faire. Je vais m'y atteler. Mais vous savez, il y a du second degré hein, chez nous, hein, les humains. Nous, je dois vous laisser. Il va vous tuer. Écoute-moi bien, petite salope. Des mutes urgents. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? B-Boy, t'as déjà mangé du thon grode? J'ai déjà mangé quoi? Du thon grode. Du thon de grode? Vas-y, parle, je t'en supplie. Thon grode à... Oh là là. Tu remenaces mon père, tu es un homme mort. Est-ce que tu as bien compris, petite salope? Mon père est du coup un pervers. Bah non. Quel rapport? Y'a tout. Oui. J'ai mangé du... Vous avez déjà mangé du thon grode? Non. Vous avez jamais mangé du thon grode? Mais qu'est-ce que c'est? Du thon grode à ron. Oh, quel gamin. Vous êtes puéril. Katou. Écoute-moi bien, petite salope. Tu remenaces mon bien, père, tu es un homme mort. Tu me insultes encore une seule fois, j'ai bien peur que tu auras ma fourche dans tes fesses. Mais je vais te mettre mon Colt 47 dans le cul. Tu joues encore la CS ou pas? Non, je l'ai pas lancé depuis. Donc t'as pas tag? J'ai pas tag. Ta grosse daronne. Sortez des armes, nous sortirons des armes. Mais on n'a pas sorti d'armes, Ethan. Mais venez dans... Vous avez une allure un peu... directe. Venez, avancez-vous, mettez-vous à la route et descendez. Ne nous foncez pas dessus. Soyez point brusques avec nous, soyez mignons. Mais Ethan, nous sommes mignons, mais vous avez quand même menacé de nous mettre une fourche dans le cul. Oui, ah ben c'est ce que nous allons faire si vous êtes un peu brusque avec nous, mon cher Bernard. Mais vous êtes sûr de ça, Ethan? Oh non, je suis plus sûr. Oui, c'est bien ce que je pensais. Non, c'est trop derrière le mur. Derrière le mur à droite. Oh! Oh là, je suis un monstre! Attends, ne meurs surtout pas, toi. Là, à gauche. Mais que t'es nul! Mais c'est pas possible! Oh, je te sors trois mecs et tout, je la fais poser, elle a juste à pas mourir, elle est en 1-14, frère! J'en ai marre! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul! Ouais, faut s'en aller. Moi, je veux décoller, va plus loin que le bout de mon nez. Moi, je suis spontané, mais t'inquiète, je suis grave calé. Je compte les années, plus beaucoup, je vais m'en aller. M'en aller, ouais, je vous le dis, je vais m'en aller. Pour s'évader, y'a pas de secret, on peut s'en aller. Tout s'est bazardé, ouais, pour s'évader. On peut s'en aller.